Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir pour m'avec aujourd'hui pour me porter émission parlant pour mon éditorial avec Yannick. Eh bien, depuis hier après-midi là, réseau en chauffé, internet l'a bloqué. Après, nous finissons apprendre que il y a 20 États républicains là qui décidaient demander au gouvernement Biden, l'administration Biden, pour camper sous programme payroll, pour camper sous programme humanitaire qui t'a gagné pour permettre à 30 000 personnes parmi les Haïtiens, Cubains, Vénézuéliens avec un Nicaraguayen pour rentrer dans le pays États-Unis. Eh bien, journalement on a parlé à la gagner et toujours gagner opportunité pour bénéficiaires, toujours gagner opportunité et pour sponsors pour yo continuer à appliquer. C'est ça Eddy Laguerre qui c'est avocat immigration États-Unis, il fait connait, il dit que l'impossible pour juge cap traiter plainte 20 états qui c'est juge Drew Tipton pour lui demander gouvernement Biden n'a camper sous et programme humanitaire là, et bien en attendant qui ça recommander, li recommander pour sponsor qui veulent appliquer pour faire ça rapide et moun bénéficiaire qui gagne en joindre autorisation et DHS pour yo presser rentrer aux États-Unis. Ça veut dire jou nan moment n'a parlé à la malgré que gen 20 états républicains qui mande gouvernement, qui mande administration Biden nan fond camper sous programme migratoire là. Ça pa vle di pour autant programme nan li camper de manière définitive. Juge nan, c'est juge qui sous dossier hein, qui c'est juge Tipton et juge ça m'a rappelé ou c'est sous administration Trump là. Yo te nommé Donald Trump te nommé li et juge li yon ti jan réticent dans tout ça qui vient pour avec question immigration aux États-Unis et dernier dossier qui concerne programme immigration que Biden te allé devant, il te allé dans tribunal avec dossier ça, lui même il te rejeté, il te voyé et décret migratoire là aller bien loin parce que il était estimé décret a violé principe immigration aux États-Unis. Et bien dans moment là, il y a un gros débat qui a fait et sous décision que 20 États prend, il y a des monde qui dit c'est racisme, il y a des monde qui dit c'est parce que haïtien dans programme là, il y a des monde qui dit et programme là, il pas t'a jamais quitté le vraiment parce que il pas quoi 30 000 monde à rentrer parmi les haïtiens et surtout il y a l'autre monde qui partage opinion du fait que image haïtien projeté parce que si nous regardons sur les réseaux, nous pas ouais image cubain qui a bataille pour aller faire passeport, qui a gonflé corps, qui a massé devant service bureau immigration, nous pas ouais image vénézuélien qui a bataille pour aller faire passeport, nous pas ouais image nicaraguayen qui a bataille pour aller faire passeport. Seule image qui virale sur tout réseau, c'est image haïtien qui a bataille chaque jour et l'État haïtien fait qu'on est immigration, fait qu'on est ministère de l'Intérieur, fait qu'on est gagné pipiti 4200 haïtiens par jour qui viennent déposer passeport. Donc, l'Europe garde la réalité, hein? Le monde de l'autorité américaine a gardé ou bien le monde qui a collecter information pour yo. Y a regardé ça qui a passé en Haïti avec haïtien, influence moun ki gen, pote bourré ki gen pour haïtien courir rentrer aux États-Unis. Donc nous comprendre qui ça qui a motivé décision et jounen jodi a regardé 20 états ça c'est 20 états républicains et gen état là yo toujours qualifié ou l'autre Texas yo toujours du Texas même li pas dans ses collés avec question immigration ou pour état tant quoi Alabama yo dou état raciste ça yo même yo pas dans question immigration surtout et latino noir. Donc jounen jodi là et gen haïtien qui wè bagay la de très mauvais œil. Gen moun ki dou et c'est temps ou ta fait perdu parce que yo konnen effectivement dossier a pa ta pa abouti, programme n'a pa ta pa abouti. Mais l'essentiel, l'important pour nous suivre recommandation Eddy Laguerre, moi même c'est ça m'ka conseiller nous dans moment bénéficiaire yo moun yo te gen ta approuver yo et yo te gen 90 jours pour rentrer aux États-Unis le plus rapidement possible rentrer. Ou pas jamais connait est-ce que programme n'a continue ou bien est-ce qu'il a campé de manière définitive. Bon, c'est sous tes États-Unis qu'on y a pral gen des considérations ou bien et qu'on y a ou ka appliquer pour résidence ou bien programme TPS. Pas connait mais gros bagay ka fait quand même dans cadre programme si là et sponsor yo
on attendant que programme nan li pa campé sou te gon zanmi en famille des proches ou t'ap appliquer pour yo continuer appliquer parce que gen haïtien là gen des séries de monde des séries de influenceurs soi-disant le programme nan te lancé qui te sous réseau qui t'a découragé un paquet de monde qui t'a dit et États-Unis pas facile et programme dans le pas pas réussi pas abouti etc. t'a déconseillé un paquet de monde pour parler t'a découragé un paquet haïtien pour parler et avec décision là m'a regardé réaction m'a regardé comportement yo gen moun se fait yo fait gen moun se et la contentement on comprend c'est content yo content pour y a dire on te parler nous on te dit nous ça là ça yo mais yo pas regardé qui façon possible yo ka encourager haïtien yo ka encourager et fraîcheur yo pour yo dire bon voilà voilà mais qui ça nous ka fait en attendant mais comment nous ka réagir là pas faire gen moun nan leur dou et gen un paquet haïtien compatriotes frères nous jeunes qui hypocrite qui égoïste c'est pas menti parce que ça qui ça ça pour tirer d'ailleurs du programme non c'est pas l'argent pour le payer c'est sponsoriser un monde pour remplir conditions yo et appliquer pour monde non depuis ou appliquer toutes conditions réunies automatiquement il y a pas prouver monde non qui ça ça pour tirer sur qui ça ça pour tirer sur il pas pour tirer rien sur au contraire ces possibilités de kabay moun nan pour rentrer pour le venir des familles c'est économie haïtienne peut-être qui ka relancer à l'avenir parce que journée aujourd'hui yo do Haïti qui est ce qui moteur pays an diaspora qui est ce qui permet haïtien en Haïti yo ka vivre diaspora c'est yo l'école yo université yo mariage yo enterrement yo baptême yo communion yo loisir yo tout bagay kaise yo donc jodi an l'obgale les séries de compatriotes qui aux États-Unis qui te ka assister l'autre famille l'autre proche qui Haïti yo pa fè li gen moun nan ki pa ka fè le vrai oui gen moun nan condition pa réuni et c'est vrai li États-Unis 5 10 15 20 ans mais et ça on pral mande comme salaire l'on li pa gagne ça on pral mande comme exigence li pa ka répondre avec yo li pa ka appliquer si moun nan met au clair sur situation li doul pa ka appliquer pas besoin que bel nan mais gen moun là qui États-Unis lui fait tout ça qu'on est pour le décourager l'autre monde appliquer sous prétexte le monde n'a vini la vine batou le monde n'a vini la vine renouer gratitude etc etc oui il y a ça dans la vie mais soit regarder sur quantité monde qui renouer gratitude pas je me fais bien non soit regarder sur quantité monde qui est gras qui est égoïste qui hypocrite pas je me fais bien et je ne jodi là on a comprendre que gen paquet haïtien nan moment là qui senti au dessus gen moun et gen moun application yo ante pending yo application yo t'ap étudier yo t'ap analyser yo pou ba yo réponse moun sa yo senti yo attristé yo senti yo affolé parce que yo pa konnen ki sa k'ap sorti pou yo donc n'ap suiv de très près et déroulement évolution qui gagne dans dossier pour nous ka kembe informer mais ça qui sûr c'est que là nous pour état tant que Floride état ça le plus souvent chaque élection qui fait c'était toujours démocrate qui te gagne état on regarde jodi en la Floride c'est républicain qui gagne et gouverneur Floride là sénateur Floride là représentant dans état Floride faut connait que tellement gagne tellement gay haïtien tellement gay latino qui pote boue dans l'état Floride dans dernière et dans dernière année ça yo là yo vin l'état vin en déficit pour qui ça parce que en pile ti moun al dans l'école gratis yo en pile moun al dans l'hôpital gratis yo donc yo obligé à embaucher plus moun yo oblige à chercher plus instituteurs institutrices mettre dans l'école yo pour faire l'école pour ti moun yo oblige à chercher plus infirmières médecins pour mettre dans l'hôpital pour prendre soin moun yo dans centre communautaire yo oblige à augmenter quantité manger quantité et centre d'hébergement etc. pour qui ça parce que yo vinn pas ka répondre avec besoin quantité moun qui débarqué dans l'état quantité moun qui dans Floride là journée aujourd'hui yo considérer que état lésé et si yo quitté décision Biden dans passé si yo ta quitté programme payroll Biden dans continuer yo quand même arrivé faire faillite parce que pour quantité moun qui a débarqué dans Floride là, yo pas ka répondre avec besoin tout moun sa. Donc là, il est extrêmement important
li extrêmement important dans moment là et pour au monde qui ka aider l'autre aider l'autre monde qui ka bail yon sponsor yon bénéficiaire des informations sur programme dans moment là pendant le tribunal là c'est faire li pour nous éviter que moun yo vinn retrouver ou dans situation d'incertitude malgré tout ça nous tande là gen moun ki mette dans tête yo et l'ojwen opportunité pour quitter Haïti pour aller chercher la vie mieux l'autre côté ça fait de ça n'est pas fait de ou haïtien moun nan getan wel on l'autre jan moun nan getan et comme si blier racine ni blier origine et c'est ça qui fait extrêmement important pour même qui dans diaspora pour communer ou gagner obligation pour impliquer dans bataille pour changer pays c'est pas parce que ou deux pays qui faut pas ka goumer pour changer pays. C'est parce que ou deux yon pays qui sont pas ka implique ou nan changement Haïti. C'est vrai nous besoin moun en dedans pays qui pour combattre qui pour mener bataille là. C'est vrai nous besoin des jeunes en Haïti qui gen force de travail, des jeunes qui motivés, qui ka changer donné ou qui ka changer ça nous gen là comme situation. Mais l'on haïtien aller le quitter pays. C'est 5, c'est 10, c'est 15 familles en Haïti la supporter. C'est 10, c'est 15, c'est 20 familles en Haïti la répondre à besoin. C'est moun ni pa konnen la PD. C'est moun ni pa konnen, moun ni pa jam tande parler la supporter. Donc, jodi, ça qui est important, ça nous doit toujours songer. Le fait que nous quittons Haïti, ça parle de nous ba Haïti. Va gen moun le fait que nous quittons Haïti, en yon de dans pays yon pa konsene, en yon de dans pays yon, li gen ta perdu attachement, li gen ta, moun nan monte Etats-Unis ou bien Canada, li gen au moins, tout parle de se bot, se sou, li gen ta blie origini, ou kopren, li gen ta fui tout ça qui gen pouwe avec Haïti. Jounen jodi yon la, li beaucoup plus important, ou même qui nan diaspora, c'est rechercher coller ou avec racine en Haïti parce que c'est sous ça nèg yo tire avantage c'est sous ça nèg sa yo ki nan classe politique nèg sa yo ki nan élite économique nèg sa yo journée jodi an la ki nan gouvernement nan pouvoir c'est sous ça yo tire avantage parce que en pile haïtien yo kite paysan yo t'oublier tout bagay ki gen pou avec paysan. Yo t'oublié toute revendication, yo t'a bataille pour yo, toute revendication qui t'a fait pour Haïti, pour la vie mieux en Haïti. Donc le politicien, le nèg sa ou qui nan pouvoir, nèg sa ou qui nan politique, qui nan secteur privé, le ouè nou ale et puis nous pas impliquer, nous plus que nous dehors, nous pas choisi impliquer, nous pas choisi bataille pour Haïti encore. Donc c'est tout normal pour yo prendre droit nan. C'est tout normal pour yon prendre contrôle de douane, pour l'on besoin de faire business en Haïti, yon dou pop ka vin faire business, ou pop ka voye gèdoué, ou pop ka voye duri, parce que ou tellement quitte pays, yon pas jamais pli konan yon, yon vin retire drogue yon comme haïtien, yon prend l'amour. Donc jodi an la, jodi an doué bon bataille qui mène pas bon côté diaspora yon. Mène bataille pour pays parce que nous pas ka seulement à investir l'argent n'a bataille pour nous quitter pays nous fin quitter pays kounya nous fait nèg sa yo qui dans l'état nèg sa yo nous t'a courir quitter pays pour yo parce que yo te mette la vie nous en danger nèg sa yo pas de ba nous opportunité pour nous créer en Haïti nous joine chance nous quitter pays en aller. Qu'on y a même nègre, même là nous deux pays, nous pas mettre dans tête, nous pas regrouper, nous pas réunir, nous pas monter association regroupement pour nous battre, pour nous ton faire pour nous une bataille contre nègre yo. Donc nègre ça yo vinn plus puissant, nègre yo en Haïti comme son paquet escroc, paquet vol, paquet criminel. Yo monter association gang yo. Yo monter corps gang yo là, yo mettez bandi yo dans Matissan, yo mettez bandi yo dans Canaran, yo mettez bandi yo dans la boule, qu'on y a caillou terre dit faire pendant dans diaspora, pendant l'autre bois, qu'on y a l'or rentre en Haïti même vie nous pas bon, ou pas même rentrer en Haïti. L'or rentre en Haïti ou descend dans hôtel, c'est tout près airport là pour qui ça parce que ou peut pour pas kidnapper ou pas même carte l'argent t'a le faire oui. Soit t'es à la bataille pour faire l'autre bois, alors rentre à Haïti ou pas même qu'à venir dépenser. Ou pas rien liberté pour aller aux femmes, ou pas rien liberté pour aller aux amis, ou pas qu'à faire rien. Pour qui ça? Parce que nous pas impliqués nous. Et c'est une des raisons qui mette nous dehors comme ça. Yo mette nous dehors dans le secteur privé, yo mette nous dehors dans le secteur politique. Là. Yo fait nous sentir nous pas haïtiens dans propre pays nous. Yo fait nous sentir nous pas une identité haïtienne dans propre pays nous. Pour qui ça? Parce que nous baillons vague. Nous baye vague. Et bien c'est ça qui est extrêmement important aujourd'hui là. Ou gon zanmou, gon proche ou qui te participe dans programme payroll là,
ou bien yo approuvé le programme payroll là. Gardez ce qui sont à faire pour aider, gardez qui sont à partager avec comme information qui ca non seulement aider mais tout qui ca balon petit lumière, qui ca balon lumière pour connait est-ce que j'en approuvé al bon, est-ce que j'en appliqué al bon, est-ce que s'il appliqué comme ça là bon, est-ce que il gagne chance pour répondre etc. Parce que nous égoïstes trop. Nous égoïstes, d'autant nous pas parer pour nous mettre égoïsme dans deux côtés, d'autant nous pas parer pour nous renoncer avec un paquet de mauvaises pratiques. Nous gagnons là, nous gagnons, nous gagnons bas en nous, mais ils ne font pas. Parce que Ariel lui-même, c'est ça fait pas la régler. Ariel qui ton pays tête en bas là, lui monte en Argentine, c'est Nexar, m'a regardé. Si nous, je vais montrer nos bagages hier. Yo posté par Ariel aller en Argentine. Yo te gagne ta couridile. Nexar, vous êtes dans un hôtel, madame. Ariel allait à Argentine, elle participait dans un sommet. Ariel, on dit qu'elle pas même connaît avec qui yes. Elle pas même connaît avec qui yes, elle a rencontré dans un sommet. Premier bagay n'a clair sous lui, Ariel Henry pas un protocole. Ariel Henry pas un monde qui est occupé de service protocole pour lui. Ni en dedans primature, ni l'autre en lien déplacement avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Généus. Parce que tout officiel qui a déplacé, premier bagay, ou gon feuille de route, ou qu'on avec qui est autorité, ou qu'on avec qui l'autre moun ou pral rencontrer, ou qu'on est ce qu'on a fait photo, ou qu'on est qui côté ou pral rencontrer, etc. Là, on regarde une photo que primature te posté. Et après, primature courir dit l'autre photo pour qui ça parce que y a une erreur sur la personne. Sous qui est, sous moun nou qui avec Ariel. Qui ça nous yon mette là? Yon mette premier ministre Ariel Henry et président République Argentine, monsieur Alberto Fernandez, à l'occasion du 7e sommet de la CELAC à Buenos Aires. Et pourtant, si vous regardez les photos qui sont là, où est le drapeau Haïti? Est-ce que l'autre drapeau est là? C'est le drapeau Argentine, s'il vous plaît. Est-ce que le drapeau nous est là? C'est le drapeau Argentine. Argentine fait que ce gagne une Coupe du Monde. Non. Ça, c'est le drapeau et Nicaragua. Donc là, il y a un erreur, erreur capital, monumental, parce que Ariel rencontré avec un monde, primature a posté photo, il n'y a pas même qu'on a qui est Ariel Henry rencontré. Il n'y a pas même qu'on a qui est Ariel Henry fait photo, il n'y a carrément c'est avec le président argentin qui fait photo. Donc là, aussi, même dans ça, nous pas qu'à lever ce que Philippe Yen. Même là, nous pas qu'à montrer des monde qui compétent nous mettre avec nous pour aller participer dans sommet international pour aller rehausser image pays. Donc n'a comprendre en dedans institution que t'es dans primature en dedans ministère yo son paquet nul son paquet imbécile son paquet idiot mettez c'est pas monde qui ka travail. C'est pas un monde qui a aptitude, c'est pas un monde qui connaît ça à faire, mais c'est bagay petits amis, petits femmes y a réglé et puis s'entendre là, y a sale image paysan, y a sale image institution, y a pas jamais rendre compte. Eh bien nous même là nous passer nous ouais bagay, yo nous obligé get un screenshot parce que c'est ça qui connaît en général là. Lorsqu'on travaille, on suppose qu'on minimum de formation, on suppose qu'on a une idée, même là qu'on est tout officiel, yo, tout dirigeant, tout pays, yo, mais si on y a le bon matériel, il va aller en Argentine, ou même premier bagage, puisqu'on a bâillé mon information, premier bagage, premier réflexe, c'est aller chercher président argentin, chercher moun qui premier ministre, chercher moun qui ta vice-président, chercher moun qui dans tel ministère, chercher moun qui a travaillé dans côté Ariel il va rencontrer avec toi pour qu'a gon idée parce que c'est information n'a baillé c'est moun n'a baillé information pour moun yo ka comprendre pour moun yo ka au courant le ministère le primature voye votre li le ministère affaires étrangères voye votre li pour moun yo ka au courant qui ça yo fait au courant dit les li a pour un petit temps yo vinn poster et photo Ariel fait avec et président et Argentine mais ça vaut quoi on regarder dans et photo officiel là côté tout dirigeant yo campé yo là y a fait photo Ariel tant qu'un monde qui sont dans toilette yo dit Ariel vini photo après le fait et puis il courir tout débrayé ou connaît leur chita vers ou détaché leur campé vers ou fermé Ariel campé il débrayé tant qu'un savant dans le sorti quoi protocole là en tout cas mes amis nous fermons notre si y'a dit nous voler, y'a dit nous corrompu, y'a dit nous criminels, y'a pas qu'à mettre sans protocole là-dedans.
Nous pas nous créer toute situation pour moun wè en bas nous, pour moun wè faiblesse nous, pour moun wè niveau incompétence nous, pour moun wè nous pas ka fon merde place nous y a pas place nous. Même dans ça qui est plus basique, dans ça qui est plus faible, nous pas qu'à montrer une bonne image, nous pas qu'à voir un bon exemple, nous pas qu'à refléter que nous c'est autorité. Là, il y a cette autorité, autorité qui ça? Bon, qui ça il y a là représenté là? C'est faire cracher sur Haïti, faire cracher sur Haïti, oui. Comment ça en dirigeant? Comment ça pour dire que c'est dirigeant ou débrayer sans protocole? Au moins, on connaît la carte ou pas un protocole. On connaît l'or en Haïti ou prendre pays pour savant. Yo konnen lè nou an Ayiti, nou pa respecte anyen, nou met programme on réunion la 1h nan privé a 5h. Yo konnen sa deja an Ayiti, mais là nou mes amis nou kite peyi an, nou di nan représenter Ayiti, nan rencontrer l'autre autorité, l'autre peyi, l'autre moun ki a fait peyi la kayo. Fòk nou gon minimum. Fòk nou gon minimum nou ka ofri, fòk nou gon minimum nou ka projete bay moun deyò. Et ça fait extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Ou tout mettre de tout bagaille. Et ça fait toujours dire Raïche en dit dans le blanc, il y a un nègre qui passe là en dehors de la République, qui passe comme président, qui passe comme premier ministre. Ou mettre de tout bagaille dans la question protocole là, yon gen. Dans la question protocole là, yon gen. Mais Ariel, Ariel Henry, oh bon Dieu papa. Nous fait la République mal, nous fait payer mal tout, gens tout gens revirer nous, son problème, son phénomène. Et pendant m'a parlé là, il y a un nouveau update sur question et programme Biden là, sur programme payroll là. Il y a un avocat, un autre avocat immigration qui c'est Fredley Julien qui lui-même lui déclaré dans question créer programme humanitarian payroll là. Que c'est un droit exécutif, le pouvoir exécutif l'a gagné. Et pour avocat, il fait connaître que 20 arguments, 20 États républicains ont avancé là, ils n'ont pas suffi. Ok, avoué argument yo, yo pa suffi, yo pa aussi corsé, argument yo pa assez solide pour ta permettre que juge là li campé programme Biden nan. Donc et en attendant gouvernement fédéral là yo fait connait que yo a mettre toutes manœuvres, yo a fait toutes manœuvres possibles, yo a mettre toute bagaille de côté dans balance pour yo ka gagner procès a pour Biden pour administration Biden nan li même ka continuer avec programme humanitarian payroll là. Et là tout bon l'autre nouvelle, on l'autre bonne nouvelle que et mettre la li partager avec le public là, li fait connait que pour moun ki t'a paniqué yo, service immigration a bay moun ti piège 2021 yo, yon extension automatique papier travail yo pour juste mois août 2024. Mais moun sa yo a obligé à le enregistrer pour TPS et checker avocat yo pour yo ka konnen ki papier pour moun yo bay patron yo à comment pour yo renouveler licence yo à papier travail qui expire ya. Et parce que automatiquement TPS sou te fini ou pas ka travail parce que papier travail ou tout li tap sa séparé valeur tap fini automatiquement avec TPS hein? Et bien c'est pas seulement TPS hein, a renouveler tout et papier travail pour moun yo ka gen possibilité pour yo toujours al vaké avec activité yo. Donc li extrêmement important pour nous rester connectés, pour nous renseigner nous sur les problèmes immigration yo. Vous comprenez? Parce que des fois vivre dans un pays qui pas payé ou obligé rester focus, rester connecté pour connaître qui décision et immigration prend, qui décision et département de l'intérieur prend pour pas dans problème, pour pas dans déportation, pour pas venir rester de manière illégale dans le pays moune, parce que sous quitter Haïti ou c'est pour juger la vie meilleure, donc ou obligé rester informé pour pas nan problème pi devant. Donc nan moment là question immigration bon c'est lui même qui d'actualité tout update k'ap gen c'est sous dossier ça yo apye pour nous ka rete informé pour nous ka rete connecté sur tout détail qui a passé en dedans pays Biden qui concernait haïtien qui concernait et zanmi nou qui en Haïti. Et bien avant m'aller jodi m'a profité souhaiter une joyeuse fête d'anniversaire à qui on zanmi un fanatique émission un fanatique inconditionnel émission et Eddy Mertelus qui jodi là la fête un nouveau printemps
et m'pa kache di nou et son ami son frère c'est un conseiller et jodi an très cher et dit profiter de journée on pas quitter aucun monde contrarié on connaît et t-shirt petite fourre mon en pile les conseils yo toujours important pour moi conseils yo toujours fait en pile bien et m'pa kache dou jodi m'ta bien rêver là dans fête là pour manger gâteau pour bon petit du vin. Même penser à bien l'autre occasion, à bien pile l'autre occasion qui a présenté devant nous. Donc, on nous partage moment avec Eddie pour moi. Balontia happy birthday, on bal live là, balontia happy birthday, on tire joyeux anniversaire. M'pense ça fait en pile plaisir. Et Haïti, face à une fuite constante de cerveau et de capitaux, comment y remédier? Eh bien, n'a mettez la bonne créole pour nous. Jodi en là, nous non société, nous non pays côté que chaque jour bon Dieu mettait jeunes yon a couru qui t'est payant des professionnels qui t'est ka utile payant qui t'est ka utile société qui t'est ka servi payant des entrepreneurs moun yo vann tout ça yo te gagner yo allé tout moun jodi an la yo plus envie qui t'est payant courir aller que aurait été goumé en dedans pays parce que nous constater nous non société nous non pays côté que près de 60% population c'est voilà. Jeunes. D'après vous même, qui ça, qui à la base de dégoût ça? On dirait bien que jeunesse l'a gagné certain dégoût vis-à-vis de pays. Qui fait, tout le monde a envie de fuir pays, il a envie de quitter pays, aller, il n'a pas envie de rester gourmet en dedans pays. Qui ça qui à la base et de ça, de situation d'après vous même? Bon, merci un peu, madame Yannick, pour question ça. Et nous pensons que nous ne pouvons pas inventer la roue. Sous question fuite de cerveau en Haïti, il y a un article en 2019 que le Nouvelliste a écrit qui te dit que 92% de monde qui a quitté le pays, c'est des monde qui gagnent détenteurs d'un diplôme, d'une licence, et même de master ou doctorat. Et c'est ça que fait, il y a remarqué que 95% de médecins que haïtiens formés quittent le pays, et même médecins Haïti, t'es bas bourse pour étudier. Cuba, yo tourne à Haïti, système n'a pas recevoir, yo aller dans l'autre pays, yo passer matin pour yo installer. Ça vient faire qui ça? Ça vient faire que tout haïtien qui vit en Haïti, qu'ils sont jeunes, qu'ils sont socioprofessionnels, qu'ils sont jeunes entrepreneurs, qu'ils sont jeunes qui ont conscience politique pour faire bagarre différemment, à chaque fois qu'ils commencent dans des marches pour porter au changement, ils tellement pour qu'on la donne, au final, ils sont vagues. Et c'est ça qui a expliqué clairement, nous gagnons en forme de système, je dis en Haïti, qui s'est sous exclusion sociale, disparité, avec le plus souvent, corruption et impunité. Corruption et impunité en plus parce que tout le monde qui est capable de vivre dans le pays, ouais que c'est on m'a dit à baïté tout. Et surtout, famille, proche, vous faire comprendre que est-ce que c'est au quoi changer le pays. À chaque acteur qui a une responsabilité, monde qui c'est citoyen lambda, vient voir que c'est pas le café. Parce que acteur ça, qui est 5 milliards avant, il y a tout le monde. Premièrement, on a besoin de l'État. L'État qui gagne deux dimensions là-dedans, pour me baser toi, l'État a bon parti. Élu local et l'État a bon parti fonctionnel l'État. Et mais l'État irresponsabilise tête, l'État bail vague, et je dis, on regarde bien, l'État plus après l'ordre que l'État a des politiques publiques qui adaptées avec problèmes ponctuels. On regarde international là. Je dis là, l'international qui t'a loué là pour bail et canaliser des investissements directs de l'étranger, n'a pas confiant bien que, année à malgré qu'on baisse dans la question transférée, année dernière, DRHT bail là pour lui, il y a environ 4,1 milliards de dollars américains transférés, année à la liée environ de 3 milliards, presque même déjà avec 2019-2020, eh bien, nous avons constaté que investissement direct étranger, moins que 200 millions de dollars, pendant la diaspora, vous des milliards. Ça veut dire qui ça? Zami nous, pas zami nous vrai, pas canalisé nous vrai, pas aider nous vrai. Pendant ce temps, nous avons gardé des corps qui ont dépensé dans des autres bagages futiles qui ne parlent directement dans le développement pour la société. Ok? Troisième acteur, c'est le secteur privé. Le secteur privé des affaires, où il y a des mouns là-dedans, des éléments qui sont antinationaux. Ça veut dire que c'est des mouns, c'est des consuls de notre pays qui a fait commerce.
Exactement. Qui fait que à chaque fois où il y a une classe économique qui veut émerger, je fonde un pays absolu, soit pour quitter le pays, pour kidnapper ou bien pour assassiner. Et ça, c'est des exemples qui tracent pour faire tout le monde qui veut construire un réseau de nègres bourgeois ou de secteurs privés éclairés qui passent à son importation mais qui n'ont pas production, il faut peur. Et n'a dit bien, ça n'a pas commencé là, il commence depuis après 86. Et pour quatrième composante qui c'est classe politique, ça, dans tout système, c'est structure de socialisation politique et les partis politiques là qui construisent dirigeants pour classe politique là. Je veux dire, en Haïti, nous pas de parti politique parce que pas de vision, pas gagner projet société, pas gagner alternative, pas gagner offre politique. Et grand vide ça pour offre politique, pour alternative, pour projet société, pour position politique publique adaptée avec problème nous, que parti politique n'a pas créé, vient fait que c'est monde qui gagne crob, qui fait hold up nos politiques là, c'est monde qui gagne aura, qui gagne capital social personnel déjà, qui rentre dans politique, qui vient fait que son mouvement individualiste chronique qui continue, c'est deal qu'a fait. Mais pas gagner cohésion pour nous toutes pour ton réponse avec des problématiques sociétales. Et en dernier lieu, ou gagner en société civile qui a fait sous-traitance avec des ambassades, avec des organisations internationales, comme les Nations Unies, CARICOM, OEA, et Union Européenne, quelques ambassades, toute organisation de droits humains en Haïti, puis fort organisation de droits humains en Haïti, puis fort organisation dans la société civile, leur récit, je vois le moyen pour son projet, c'est pas cotisation des membres qui baille, c'est pas alliés qui baille, mais c'est plutôt l'international. Et l'international l'a canalisé sur des bagages qui sont très futiles. Formation sur question genre, mais qui est important, mais en même temps tout qui grand pile hypocrisie d'elle, formation sous question VIH SIDA, mais on ne pas garder bien côté de formation sous question, sous des problématiques de agriculture, sous des problématiques de création d'emplois, sous des problématiques de construire un système d'employabilité qui a fait que l'on jeune sorti dans l'université est capable d'intégrer le marché de l'emploi. Ou pas joindre des bagages qui consistent. Et leur récit à Baou. Bousse, je parle de bousse sous art, sous culture, à la rigueur sous psychologie avec sociologie, mais on parle de bousse sous médecine, de bousse sous mathématiques, de bousse dans la question de gestion politique publique, mais c'est plus maîtrise. Je veux dire, je veux dire, un volo pour faire un premier travail et que mon premier travail qui n'est pas fait vrai. Je veux pas aider nous tout bon. Nous faire la radiographie, ça pour nous montrer que acteur tout bon qui cause fuite de cerveau ça, dans la société, c'est l'État. C'est l'international, c'est le secteur privé, c'est classe politique ça, et c'est modèle société civile qui n'a pas participé, mais qui a fait un job ça, qui cause que Jodia nous lague, au désarroi nous lague pour qu'on. Comment résoudre ça? Parce que j'aime pas étaler les problèmes pour ne pas proposer des solutions. Mm-hmm. Parce que nous, classe politique, qui depuis la nuit des temps, pour me battre depuis 86 ou depuis après l'an mort en PER, Je n'ai pas jamais gagné le bon sens pour questionner comment et pourquoi dépasser cette réalité. Je suis fort à faire la radiographie sur la même chose là. Alors, nous-mêmes, nous ne pas plaignons parce que nous sommes des gens qui sont équilibrés. Nous pas frustrés malgré les conditions pour nous frustrer. Mais plutôt, nous avons ramassé responsabilité générationnelle ça, que la vie, ben, nous, pour nous dire une fois pour toutes, ce n'est pas chinois qui peut le faire. Nous pas gagné l'État. Nous pas gagné un international qui a fait des coopérations progressistes, nous pas gagné un secteur privé qui a créé emploi, nous pas gagné une classe politique dynamique, nous pas gagné une société civile qui a créé cohésion, qui a prêché cohésion, eh bien, qui est-ce qui a bon nous? Nous-mêmes, nous voyons que d'Haïti, que moi-même, parce que USVCH nous créé, nous venons avec un programme qui a pris l'étalé sous 10 ans, qui est nous c'est présent. Nous c'est présent, c'est qui ça? C'est faire chaque Haïtien conscient que je dis, c'est pas l'État qui a fait, parce que mon paquet de bagaille. Si nous te faisons sans l'État, le conseil nous a aidé l'État. Ça, c'est qui ça? Oui. Par exemple, nous avons trois exemples clairs pour vous. Madame Yannick, tout auditoire là, pour nous montrer que Haïtien, si nous te prenons tête au sérieux, déjà nous dégonnons l'État. Haïtien, si nous te prenons tête au sérieux, déjà nous avons l'autre coopération internationale. Haïtien, si nous te prenons tête au sérieux, déjà nous avons l'autre secteur privé des affaires, on l'autre classe politique, on l'autre société civile.
alors le corps. C'est à travers des habitudes avec des traditions qui parlent pour nous changer. Exemple, pas mal les femmes ont mal, parce que toute femme ici a sous capacité au gain pour résoudre le problème ensemble. Mm-hmm. Deuxièmement, c'est pas dit qu'il s'est payé à faire pour, parce que payer un bon soleil, un bon temps, mes amis, c'est nous pour la stabilité. Et stabilité a sorti dans qui gens nous est la vie, nous sommes. Ça faut nous un projet ensemble. Faut nous battre des binaires inégalités, des pitoumes, des nanos. Faut nous gon l'autre narratif, faut nous gon narratif productif, spirituel et cohérent. Je veux dire là, le plus que important pour nous dire à ici que maintenant l'État ramasse fatra, l'État fait son seul à fatra. Et je veux dire, maintenant l'État pour être gang, l'État fait son seul à gang. Regardez comment on a pas prendre que au publiciste. Au jeune garçon qui cherche talent, qui t'a remplacé, et Bicha, comment il est rentré dans le concordat à gang, jusqu'à ce que je dis, gang, si il y a gang, pour pas quitter, identité, le sorti quand même. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, nous sommes capables de venir, la série de vérité que nous vivons avec eux là, parce que nous ne connaissons pas, puis à cacher, là où il sorti des gens qui ont fait stroke. Parce que la société a crasé déjà et l'État qui t'a crasé. C'est nous qui nous prenons responsabilité comme vivants pour nous dire, nous pas passé, nous pas futur. Nous c'est présent. Parce que il y a trop de monde qui mourit. Il y a trop de monde qui prend mourir mal. Mais nous, nous savons qui pas là. Nous même qui vivons, il faut nous préparer aux bagailles. Comme différent tout le monde nous. Parce que bon si on bat une trentaine pour une gang. Ils ont 25 ans. Ça veut dire qui ça? Ils ont 25 ans. Et... Ils ont 25 ans, 98, 17. Je dis à la Timon qui a fait là, on peut prendre tout le temps ça pour commencer à envahir nous. C'est nous qui pour planter stabilité nous besoin. Acteurs, secteurs, pas conscients. Mais l'important, je dis là, à travers Taxi 509, pour nous passer message ça. Fuite de cerveau à fond le campé. Et là, le campé, c'est le Haïtien qui commence à dire que Haïti, son côté, mon cas vive. Et il faut qu'il vive là-dedans pour qu'il attire le monde. Vivre là-dedans. Parce que tout autant nous dit son côté pour mon faire comme c'est pas côté pour mon vivre. La fait qu'elle fait comme là pour nous bouler Saint-Domingue, en France, Canada, mais au final, la grande majorité sera toujours dans la classe parce que pas mon élite qui a construit comment pour mon vivre là. Et c'est ça, c'est pour nous faire. C'est pas vrai, ça pour nous parler plus. Pour nous, ka, son goudou cérébral. Notre il faut monde dans la société qui monde toujours, et puis pour faire un fond commun, pour ça y a faire, capable de faire un effet multiplicateur pour renforcer l'État. Parce que je dis à la lipa l'autre, c'est la famille qui peut prendre la responsabilité pour renforcer l'État. Parce que tout problème dans la société, elle est sortie à la base de la famille. Et la famille grandit dans l'impunité, la famille grandit dans la corruption, et mais tout le monde qui vit dans l'État, c'est nos familles qui sont sorties. Honnêtement, parce que l'argumentaire est tellement intéressant, m'obliger à prendre tout le temps pour me donner sans que je ne puisse même essayer et poser des questions et placer mon pamna. Et m'obliger à faire un petit corps pour nous avancer parce que il y a des questions qui sont extrêmement intéressantes pour me poser. Et par rapport à la situation, je ne veux dire, on a vivre dans le pays. Côté que vous regardez, nous avons une société côté tout le temps son seul débat qu'a fait, une majorité silencieuse. Majorité silencieuse, on dirait bien, ma mette le sous toute réserve, que yon gon certaine complicité avec ça qui a passé aujourd'hui. Le fait que majorité yon accepte volontairement pour gon ti groupe nèg nan tête l'État qui a tyrannisé yon, qui a marché sous yon, qui là au lieu yon pote solution avec problème pays, pote solution avec problème collectivité, au contraire, nous est. C'est fourrer mes prends, c'est créer plus situation de confort, c'est financer gang, financer violence criminelle. Yo pas là autorité aujourd'hui là, yo pas là pour yo porter solution à problème yo. Malgré ça, au lieu que yo réagit ou a bon certaine passivité, tout le monde fait silence, y a tant aujourd'hui, y a tant c'est l'État qui vient résoudre problème yo alors que l'État son facteur de problème là. Exactement. Donc, qui ça d'après vous même qui expliquer passivité ça? Est-ce que moun yo yo seulement yo attend la main du ciel côté que m'pa konnen si international là ou bien bonjour comme y a prié etc. Au bonjour y a pleuvé y a jounou l'autre Haïti qui ça qui expliquer passivité ça qui ça qui expliquer jodi an là que haïtien pa vle sou ke koyo dire que yo pa kwè nan bataille pour changer pays mais yo tout espéré en l'autre pays. Bon, moi pense que depuis l'homme petit, on grandit ou même tout comme ça, madame Yannick, haïtien toujours quoi dans bon Dieu bon. Ça veut dire, nous pas quoi dans planification,
Nous pas croire dans un rien qui rationnel, nous plus croire dans miracle. Et c'est comme ça lié culturellement la gagne nous. Au lieu de nous prendre temps pour nous regarder qui ça qui fait qu'une bagage de résultat, nous plus dire c'est diable qui a mangé. Et c'est comme ça lié. Mais qu'on y a là par rapport avec tradition de monde qui croit dans miracle ça, qui ça nous-mêmes, je dis, parce que faut nous garder le bien. Responsabilité, ça, c'est deux mondes qui gagnent. C'est les agents de socialisation et nos élites. Et nous sommes contre la radiographie à la côté que nos élites, ils ont déconnecté à la réalité du peuple. Ils ont déconnecté avec le narratif là. Et à chaque fois, le peuple a un narratif qui voulait changer les bagages. Ils ont même venu avec une autre histoire. Regardez là, dernièrement, nous sommes passés 4 mois à Goumé pour descendre au gaz. Au final, nous acceptons et même là, on va le mettre 150 jours, tout le encore en janvier, sous gasoline, ça veut dire, mais que ouais, qui j'ai pu rejoindre, parce que, bon complicité dans l'élite là, et puis agent socialisation, il est fonctionnel totalement. Là, je parle de agent socialisation, moi, je fais une radiographie là-dedans, je me suis fait la question élite là, ou bien la famille, ou bien l'école, ou bien l'église, en parenthèse, l'État. Et bien, l'organe agent socialisation, ça, qui est pour objectif pour rendre mon potable social, pour rendre mon cas vivre dans la cohésion dans la société, là. Yo faille à objectif, yo ça peut arriver le sang, ou pas le grand foule, ou pas le grand peuple, ou pas le grand conscience, ou aucun sentiment d'appartenance, et c'est ça qui arrive là. Je dis à la guerre de bagages qui a fait. De révolution, de révolte. Révolution, Jean-Staline dit, c'est l'affaire des techniciens. Révolution, bon avant, bon pendant, bon après. Mais révolte, là, lui-même, son soulèvement populaire qui dure en forme de ras-le-bol par rapport à mon mécontentement et que nous défaillons pendant 4 mois là, mais pas rien suivi. Parce que révolte, là, il n'y a pas de intelligentsia d'elle, il n'y a pas de système de pensée pour lui faire avant préparation, pendant exécution, après suivi. Qui veut faire que, pour nous sortir de ça, là, on a besoin. Diaspora avec la jeunesse pour son mariage, parce que je dis à la force de travail avec mon victime, plus de sa guerre, c'est la jeunesse. Et la diaspora, pour ça. C'est parce que diaspora, nous gagnons environ 3 millions de monde, et même plus, parce que c'est assez chiffre BRH pour année rapportée par 2021. 2020-2021, je dis que il y a 3 millions haïtiens qui vivent dans la diaspora. Et c'est eux-mêmes qui dévoient 4 milliards de dollars l'année passée. Et mes 3 millions haïtiens, ça, vous allez expliquer bien, vous allez faire saisir 4 milliards de dollars pour nous l'année dernière. Ce n'est pas tout comme ça, vous gagnez. Ce n'est pas celle ça, vous gagnez. Économie diaspora équivaut à 57 milliards à 60 milliards de dollars américains. Ça veut dire qui ça? Si vous avez l'État, vous ne pouvez pas investir dans le pays, vous ne pouvez pas prendre le frais du côté de l'économie. Si vous avez stabilité, vous ne pouvez pas prendre le côté de l'économie, si vous avez toujours d'ailleurs, et pas gros job, vous avez pas de job, tout économisé. C'est des deux membres, c'est des lobbies, parce que c'est immigrant, vous n'êtes pas national, vous n'êtes pas une petite terre. Ça veut dire, je dis à la jeunesse qui a vécu dans le pays, trois fonds symbioses tête pour offrir stabilité sous terre ça pour investissement 27. Là ça c'est pas étranger, c'est diaspora qui va le faire. Qui ça? Nous pas besoin de plein par l'État, ni secteur privé. Parce que l'État ça va le craser dans le jour qui va venir. Spirituellement, nous avons des choses qu'on n'a pas de connaître. Haïti pas prêt à vibrer sous système politique, encore prêt à vibrer sous système spirituel, n'est pas un président. Parce que nous-mêmes comme peuple noir, nous parlons, nous sommes peuple hasard. Nous sommes peuple qui est là pour briller sur la terre et nous sommes le premier peuple qui fait respecter 4 générations des droits de l'homme depuis 1804. Pendant que je dis, une première génération des droits de l'homme n'a pas respecté. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est pas un bagage qui est seulement un couple politique, et spirituel. Il faut nous chercher contre tête, nous. Parce que ce n'est pas qu'on soit vaut, ou pas qu'on baille tête ou soit vlé. C'est ça que je dis à nous, par contre, ça nous vaut. C'est monde qui a besoin de tout ça. Et malgré ça, nous prenons quand même parce que nous n'avons pas qu'à la tête nous plus. Et bien, c'est fierté ça pour nous chercher. Je dis là, émission sous prétexte pour nous fouetter orgueil jeunesse haïtienne, là, fouetter orgueil diaspora parce que c'est eux qui premier victime de toute instabilité. Ça. On regarde un série de monde qui fait caillou dans le pays, qui fuit, qui quitte le caillou là. Parce que, il y a des gens dans la zone, qui me disent, qui fait quitter. Pendant qu'on finit d'investir 250-300 000 $ américains. On regarde un série de jeunes qui prêts pour apprendre et puis me disent, faire réussir à la caillou à l'école. L'année dernière, pendant qu'il y a été retiré 2 milliards de gouttes sous subvention, il y a 55 000 personnes qui parlent l'école. Année à là, l'école ouverte avec 300 000 personnes en ligne, pendant que 3 millions qui étaient à l'école. On a gagné 2 700 000 et
c'est 4 millions qui doivent à l'école, ou bien, ou bien, environ, pendant 2 premiers mois, ou bien, 3 700 000 qui doivent à l'école. Mais est-ce que... Ça veut dire que, pas qu'on l'État qui gagne en conscience pour son bagage. C'est nous qui conscient, qui victime, qui pour suspendre, mais qui pour prendre force par rapport à ça, nous y est tout bon. Qui sont peuple liberté, qui sont peuple spirituel dans le monde et capital spirituel monde. Pour nous commencer à faire l'objet sur ça, pour nous attirer l'autre monde. Mais avant l'autre monde venir, il faut nous-mêmes nous vivre là-dedans. Il faut nous avoir cohésion. Ça veut dire que le pays a besoin de mouvement qui pour faire nous chita sous présent, nous, pour nous mieux préparer à venir. Parce que je dis, si nous gardons que nous sommes un esclave, nous sommes tous esclaves. Mais il faut nous garder que nous sommes un peuple libre. Pour nous continuer libre. Et c'est narratif ça qui pour là, je dis. C'est ça qui pour apprécier comme message, comme discours. Parce que là, les gars de l'Union fait la force. L'Union fait la force, c'est pour vibrer, oui. C'est pour reconnaître qu'on doit unir au contour. Mais je dis, c'est pas l'Union fait la force, c'est liberté ou la mort. Parce que nous mourons déjà. Mais il faut nous créer la vie pour génération qui va venir. Parce que nous-mêmes, moi-même, avons, Madame Niani, si des bonnes générations, après 86, qui prennent tête, ils ne pas seulement font mouvement pour dire ma coupe par la donner, puis ils satisfaits comme mon slogan. Il y a un projet société, nous pas capable de dire, moi avant nous pas capable de tout travail ça pour nous faire. Si après 2004, c'est pas séparé, franchise, t'es un vrai projet société, t'es une justice sociale qui est établie, t'as bien égalité, chance à créer réussite, pas capable de tout le monde qui a pris comme temps. Et je dis, pas de différence qu'a fait, parce que nous tous sommes nous impuissants, nous chaque fois inférieurs. Non pas inférieur. Et dans cette émission, je vais vous dire qui est diaspora avec la jeunesse qui a fait mariage changement. Parce que c'est eux qui ont bonne foi. L'État n'a pas de volonté. L'État n'a pas de volonté. La jeunesse, ou doit construire volonté, ce n'est pas quitter pour quitter le pays. Non, c'est construire pour construire le pays. Parce que Dessalines, Pétion, Christophe, tout en fait, nous sommes nés, que nous ensemble pour donner ça. Et nous, ça n'a pas bail. Ma avancer en mot passé juste bon faut ti camp parce que gros bail qui extrêmement important pour nous ouais journée aujourd'hui en là nous non pays côté que nous et sous ça n'a débat nous face avec une fuite de cerveau moun jeune moun qui en âge pour travailler moun qui gagne et aptitude soi-disant pour ta défendre intérêt pays pour ta camper goumer en petite société c'est eux même qui a courir quitter pays. Et qui ça nous constate? Nous constate par rapport avec situation ça, côté que tout le monde attend l'État pour faire, tout le monde attend l'État. Et par rapport avec problème de sécurité qui vient là, c'est l'État qui a une responsabilité pour porter sécurité en dedans pays, pour sécuriser la PNH là, qui a une responsabilité pour protéger via bien monde. Mais insécurité en l'irréel, kidnapping en l'irréel, et nous conscients que par rapport avec situation ça, son risque que chaque gen haïtien expose vie, expose tête pour aller chercher la vie dans la rue, pour aller vaquer avec activité, pour aller chercher manger, venir mettre dans assiette, pour payer l'école pour petit, etc. Malgré la situation, yo brave danger, yo prend la rue. Mais même haïtien ça, qui chaque jour, yo prend la rue, yo vaquer activité, yo gen risque pour yo prendre gren bal marron, gen risque pour yo kidnapper yo. Yo pas peur, yo sorti dans la rue quand même, mais c'est même haïtien ça aujourd'hui. Nous mettons dans la catégorie majorité silencieuse, moun sa yo qui était passif, qui pas fait un capitaine de l'État. Pourtant, où est jan facile pour yo aller chercher, pour yo aller faire petit job blanc, pour yo aller chercher la vie dans la rue. Mais li paraît difficile pour yo réagir quand il s'agit de défendre les intérêts du pays. Li paraît difficile pour yo réagir, leur pour yo prendre la rue, pour yo faire voir, passer, pour yo défendre droit, liberté. Qui ça d'après ou même jodi an là qui mérite fait par rapport avec majorité ça? Au moins bayon coup de booster. OK, pour yo prendre conscience que bon travail qui doit faire, bon bagaille qui doit faire pour pays et yo supposé impliquer au là-dedans. OK. Alors, j'en dis là madame Yannick, insécurité a gen maman, gen papa, gen beau-père, gen tonton, gen parrain. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que haïtien lambda qui pas qu'à chercher une cohésion sociale, un mouvement unitaire pour nous développer pays, pour nous retirer dans sa vie là, c'est pas sans raison parce que on gagne une insécurité préfabriquée parce que le préparé déjà aujourd'hui un salaire qui vient faire que tout haïtien peut l'autre, nous une peut l'autre et c'est ça que ça nous cherche à manger, nous pas protéger frère non encore. Nous passons sous lit pour nous manger. Je vais expliquer un bagage. Je dis à la, l'insécurité a trois têtes là-dedans. Il y a l'État, il y a l'international, il y a le secteur privé. C'est au fait.
Et là, on a regardé qui vient chaque acteur, ça va commencer à responsabiliser l'autre. Côté que l'international a commencé à montrer le secteur privé à mes volets, lui montrer l'État à mes volets. Ou pas, on a même conscience collective haïtienne, nous ne pouvons pas manifester ce qu'on dit l'État a commencé à marier avec ça. Ben oui. Nous bien connaît ces films qu'on fait parce que nous te connaît tout nous ça a déjà des volets nous te connaît déjà et non pile manifestation de mettre photo de mettre en bas de te mettre tout bagage tout slogan mais tout le monde te dit c'est bagage populaire mais c'est ça on va le donner là nous toutes nous venons construire un individualisme chronique. Nous vînons pas ouais que l'autre là c'est frère, nous pas ouais que faut nous protéger, nous pas ouais faut nous remettre à encore. Tout le monde a cherché à manger. Et c'est ça que fait même si les gars qu'on lit, qu'on écrit, il y a l'école, il fait gros et classe, il est toujours ton grand goût, parce qu'il est toujours construit dans un environnement de terreur. Ou bien secteur privé à l'État international là, qui pas créé une sécurité, bah où? Il crée terreur. Terreur la plus grave qu'une sécurité. Ça veut dire même dans le plus profond de ton être. Ou instable, ou pas qu'à réfléchir bien. À chaque fois qu'on pense à un projet sous long terme, ou bien t'en dit de tout, bon, et gaz là, et insécurité là, et kidnapping là. Ou bien t'en dit pas qu'il n'y a pas de bail-back. Pendant ce temps, même chaque matin, on levé, on sorti, on réglé tout à fait, on rentré, et on pas levé, on pas kidnappé, on pas fusé, on pas assassiné. Ça veut dire qui ça? Camper, voilà, rien pendant 5 minutes, et puis garder belle machine qui a passé. On prend plus que 20 millions de dollars machine passer devant. Et ça pas rien. Imaginez dans qui caille machine ça, ou pas qui est dormi. Ça plus toujours. Ça veut dire que combattre, mais si cuit qui gagne richesse là, le fermer. Ça veut dire, je dis, il faut nous prendre conscience que ce n'est pas tant pour tout le monde qui vient faire miracle pour nous, c'est nous pour suspendre peur. C'est cette peur qui nous empêche de nous aider nous-mêmes. C'est cette peur qui nous empêche d'instaurer le développement dans ce pays. Et peur, ça, il sorti dans nous, nous pas, il sorti dans nos oreilles, nous l'entendons des radios. Il sorti dans nous pas qu'à planifier sur long terme. Et je dis à eux nous servir avec l'émission ça comme prétexte pour nous retirer haïtiens dans peur ça. Haïtien bral bon formule que les oponopoto. Au-delà de toute terreur qui vient dans le pays, au-delà de toute instabilité socio-politique, économique, on nous garde dans nous-mêmes comment nous puiser pour nous stable. Parce que la vie, pas seulement ça n'a pas vivre extérieurement, mais gagner planification intérieure, tout, gagner compréhension gagner de tête, gagner l'amour gagner pour tête. Et c'est ça pour nous cultiver. Haïtien bral ne porte pas. Comment on peut faire les mêmes pays qu'on a pour venir contribuer là-dedans pour un changement? Haïtien a cherché bon sur le monde tout le temps, parce que le pas ouais quelqu'un a construit un bagage légal, un bagage qui est normal. Parce que nous connaissons que c'est volé à qui nous qui modèle là. Maintenant, nos anciens qui ont dit que le bagage a commencé à gâter depuis 2004, nous avons cité directeur d'opinion, chroniqueur sportif, nous avons cité nos dilettes dans la radio pour barrer au champ. Et puis depuis là, ça, tout le monde dit que nous avons tout le monde pas un secret polichinelle. Valeur revenir vers ce qu'on y a. C'est pas une question de qui niveau d'études qui sont réalisées dans la société, qui bilan social. C'est qui croit pour rien. Qui niveau sous-sous. Et pour l'argent, vient tout ce même à moi. Mais pour finir un problème là, on blanchit après. Qui vient faire que nous venons gagner de jour en jour des bandits qui pigeonnent et des gangs qui pigeonnent. Et nous pouvons parler pour nous montrer l'autre projet pour nous remédier à ça. Mes propositions pas nous. Parce que nous connaissons nous-mêmes, nous constater, nous déplorer, mais il faut nous proposer tout. Et ces nouvelles générations, ça va chercher en Haïti. Des mondes dans les médias, des mondes dans le secteur économique, là, des mondes dans la classe politique, là, des mondes dans l'élite intellectuelle, là, qui peuvent seulement étaler problème, faire monde peur. Mais non! Qui viennent avec des solutions et qui ont courage à deux bras pour le système qui appartient à l'IA pour inculquer une autre valeur. Ça par exemple, je dis à la Haïtien lambda, même ça qui a plus souffert à Paris, Haïti, comment vous pouvez le faire, je n'ai pas bois qui parle soleil pour ne pas nous planter. Je pense que je dis à la Haïtien commence à investir dans le pays. Et c'est ça qui peut le faire que nous jouons une solution à ça, je dis à la terreur généralisée, ça, insécurité, son illusion liée. Parce que nous connaissons, mais nous avons tellement connaissons que nous faisons peur, nous ne pouvons pas arriver sur mais nous continuons à faire. Faut nous commençons à prêcher un discours qui n'est pas violence, mais qui c'est bon sens, pour nous dire que je dis en dorénavant. Dorénavant. Faut que nous commençons à sanctionner des gens. C'est pas comme si l'État, non, l'État va sanctionner, mais nous-mêmes nous sanctionnons. Ça veut dire, dans la radio, nous ne pas encore. OK?
Nous faut rester systématique avec eux parce que le Sahara veut nous comme énergie, divine rendre nous impuissants, divine rendre nous inférieurs. Faut nous commencer à dire des mots qui sont positifs, que nous attendons, que nous suivons. Parce que c'est cela qui prend force. Nous capables, mais nous pas croire que nous capables. Nous capables, mais nous pas apprendre que nous capables. Et c'est ça que fait Haïtien une formule mal appliquée. Ça l'a cherché à surestimer et ça lié à les sous-estimer. Pendant ce temps, c'est son hier qui a bon son cherché à font estimation de tête pour gagner leur estime de vous-même, de valeur famille ou de valeur pays ou et puis pour vous fierté. Et c'est fierté ça qui pourrait le faire que vous pas qu'à vivre dans la terreur. Fierté, ça prend le bon en sécurité intérieure. Fierté, ça prend le bon le temps, le calme intérieur pour planifier sur long terme. Et bien, nous perdons du calme, ça. Nous n'avons qu'une fierté. Je dis à notre fierté dans l'État. Nous n'avons pas besoin, il faut nous chercher fierté dans nous-mêmes. Parce que Kotoye n'a pas défini Kotoye arrivé, mais c'est qu'ils ont géré Kotoye. Pas dans quelle génération spontanée, pas dans quel monde qui vit bien totalement en Haïti, même si elle est comme. Mais il faut un bon point de départ. Et point de départ, ça, dit pas pour l'autre que nous qui pouvons commencer à valoriser tête nous. Valoriser famille haïtien. Valoriser quartier haïtien. Valoriser pays haïtien. Parce que quand même nous là, nous parlons de pays, nous prenons l'ambassade suisse qui est plus forte là. L'ambassade américaine dit prend la manette dans nous construire juste sur rivière grise. Et puis il y a une quatrième plus grande ambassade dans le monde la terre. Pour qui raison? Faut nous poser des questions. Faut nous gagner lumière, bon sens pour nous planifier sur long terme. Terreur, insécurité, à cette fin perdue. Parce que terreur, ça n'a pas réel. Tout n'est pas réglé à faire dans la rue. Même nous perdons du temps dans nos narratifs, plein tout le temps. Faut nous bagarrer sur long terme. Parce que. Gros question qui est extrêmement important parce que je voulais pour attirer attention et auditoire là sous lit. Je dis à l'an de pays, gère ça de jeunes de pouvoir parler avec yo, yo prêt pour yo dou payant kokobe yo, Haïti kokobe, m pa wè avenir nan pays. Soit le kobli pou ko fin compte pour aller pour quitter pays, soit le pou ko gen kobla même li pou ko ka planifier voyage pour quitter pays pour aller. Et qui ça nous constater? Nous constater par rapport avec situation ça. Autorité yo, soit disant moun nou gen comme autorité yo, yo pa jan vini avec des politiques publiques pour yo di bon ok, mais ok nous constate gon fuite de cerveau de pays, mais qui sa nou pral mette et comme projet d'accompagnement, mais qui sa nan vini avec comme projet, kote ke jeune yo ka implante yo, jeune yo ka et vini, yo pran fon bagay ki positif, etc. Jeune yon debouché, yo pa fè bagay comme ça. Kounye an, sa ki extrêmement important. Comme jeune ça yo a couru quitter pays yo pralé yo vinn créer un climat côté que haïtien li pa retrouvé en Haïti, haïtien pa aucune appartenance en Haïti, haïtien journée aujourd'hui là yo plus souhait avenir yo de yo pays que yo wè l'an pays. Tout moun a planifié un voyage. Gen dou, yo pral Mexique, yo pral tan en bas pont Texas, gen ki dou, yo pral Pérou, gen ki dou, yo pral Brésil, en Argentine, etc. Parce que journée aujourd'hui là m vle pour et pas seulement tirer son net d'alarme non non pour aller aux oreilles des séries de fanatiques des séries de des séries de monde qui a regardé vidéo à capter des émissions parce que c'est extrêmement important pour nous inculquer moun yo des séries de valeurs le sens du patriotisme journée aujourd'hui en la passé je parlais avec moun yo qui ça haïtien l'a dit être haïtien c'est quoi avant tout. Bon, être haïtien, n'a pas aller dans l'origine, nous, surtout dans le préambule constitution 1805, là, et côté que Dessalines était énuméré en tête, constitution, il dit que l'Empire d'Haïti, il écrit Haïti, H-A-Y-T-I, et il dit que chaque premier empereur par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle. Il s'est déclaré que tout nègre sous la terre de pour piloter ça ou libre. Et il était même fond déclaration pour les Américains, regardez non, combien de millions d'esclaves dans le monde? Il n'a pas acheté. Il n'a pas acheté par tête. Il n'a pas acheté par tête dans le monde. Et mais ça crive. Nous venons payer pour casser et m'a rappelé à Issa Captain de mieux ça. Et c'est là pour nous commencer même. Et c'est là que nous perdons fierté, nous, lorsque nous commençons à perdre emblème
et philosophie de Saline. Parce que réforme agraire de Saline n'a pas l'air, c'est l'injustice sociale tout bon temps de Jodien là, n'est-ce pas, c'est démocratie cabale dans le monde, américain boumé pour instaurer. Écoutez, de Saline est en avance sous temps là. Et c'est ça qu'on a cherché pour nous implanter là, Jodien. Fierté nous besoin, conscience patriotique nous besoin, éducation à la citoyenneté nous besoin, c'est pour tout le monde nous n'y a pas fait si nous continuons dans mon petit à tête nous. International la fête on travaille côté que l'éliminer histoire nous pour bon nous des fables que Dessalines c'était un barbare, mais non, Dessalines c'est une stratège militaire. Staline apprend de Dessalines, Che Guevara apprend de Dessalines, dans toute école de guerre sous la terre aujourd'hui, quatre théories de Saline ont appliqué. Théorie de la terre brûlée, guérilla, est-ce c'est Dessalines qui a inventé ça. Et bien aujourd'hui, nous conseillons des Haïtiens qui sont depuis dans sa pique en lien pour arriver dans sa pique grand goût. Hein? Qui fait que nous mettons négocier, n'importe où on est avec nous, il y a vraiment nous nommons. C'est pas même Haïti, nous Haïtiens vont nous, là, faut nous nommer. Et je dis à vous, regardez comment ces jeunes filles nous tombent dans la prostitution sans vous rendre compte parce que vous avez un bon prétexte à chercher manger. Chercher manger, parfois, vous obligez de vendre l'amour. Il faut bien dire, il faut bon parcours, construire l'histoire. Et bien, je dis à l'émission, ça nous dit chaque grand haïtien, il faut que nous tournions avec fierté de sa ligne de gain, qui fait bien choisi pour nous. D'ailleurs, Dominique a 48 000 km, nous avons seulement 27 750 bipipiti. Et pendant ce temps, c'est la guerre plus grosse. C'est la guerre plus grosse réserve. D'ailleurs, si nous bloquons, puis pétrole à Kéen, Venezuela n'a pas besoin de pétrole. Vous voyez comme ça? Et mais c'est sur ça pour nous construire fierté, nous. Sur ça nous qu'à faire que ça nous y a dans le futur. C'est pas sur ça nous joindre. Parce que ça nous joindre n'est pas bon. Mais est-ce que c'est sur ça nous joindre, nous caguer ou bien nous mériter? Non, non, non. Nous méritons plus que ça. Mais nous pas joindre ça nous mériter si nous-mêmes nous pas prêter au sérieux. Jeune, nous. Je dis à entrepreneur, je dis à cap souffrir dans le pays parce que l'État va comprendre pas l'opportunité. Où pourrait être l'opportunité? Sans pas joindre, où pourrait créer? Parce que sous pas joindre, on a obtenu un petit gain intérêt pour utiliser Abdin Montreux là-bas, on ne s'arrête pas là. Mais si nous tous qui sommes dans la même situation, nous avons bon sens, nous faisons coopération, nous pas construire. Parce que pas de fatalité sur la terre, pas de fatalité. Tout autant fatalité, c'est tout autant ou même dépressif, c'est tout autant perdu espoir. Mais espoir, il est au bout de la tunnel. Il faut qu'on avance. C'est devant lié, c'est pas contre hier. D'ailleurs, je dis, nous avons dit que nous pas des amis. Parce que tous les amis, nous allons l'expliquer. Madame Yannick, insécurité a gagné en Haïti, je dis. Il sorti dans l'international là. Parce que Haïti te gen bag aux âmes. Bon, ambassade Canada dit pas gen bag aux âmes encore, mais comme yon la vine tout non vie, bah yo a laissé Redoué Blason, mais dernièrement, avant de faire président Jovenel Moïse, il a acheté 300 munitions pour l'armée. Là où vient l'ambassade américaine dit bah la police hôpitaux. Pendant ce temps, nous connaissons que le problème de gangsterisation de Guinée-là n'est pas un problème de police civile, mais son problème militaire parce que c'est le territoire-là qui est assiégé. Mais qui est-ce qui est assiégé? Son fuite qui sortit de l'international, son complicité de l'État. Et puis, n'attend ces mêmes monde pour gérer nous? Non. Il faut gagner une forme de conscience populaire, une éducation civique, une éducation économique. Parce que je dis à Haïtien, vous redéfinir façon de comprendre l'argent. L'argent pour un mauvais bagage, richesse pour un mauvais bagage. Au contraire, c'est l'homme de pauvreté ou maudit. L'ignorance, la pauvreté, la maladie sont des signes de malédiction. La connaissance, le pouvoir et la richesse, c'est signe de bénédiction. Et Haïti, son terre qui bénit. Haïti, son terre qui gagne magnésium pour plus que 80 milliards de dollars américains. Pendant ce temps, développement dans la projection économique qui se fait là, pour Haïti monter sur le développement, nous besoin seulement 7 milliards de dollars américains. Et donc, est-ce que c'est bon problème bon sens ou bien son problème de fatalité? Nous pas condamnés. C'est bon sens qu'on cherche à gagner. Voilà le bon exemple, Madame Yannick. Tendez bien. International n'a pas fait investissement direct étranger de 200 millions de dollars. Pendant ce temps, sous frontière seulement, on a perdu 100 millions de dollars par année. Frontière dominicaine seulement. Pendant ce temps, nous faisons commerce avec trois pays, c'est la République dominicaine, la Chine, avec les États-Unis. Ou pas besoin de garder qu'on a quand même perdu la douane sous question des États-Unis avec la Chine. Là seulement, sous frontière, nous perdons 600 millions.
600 millions qui te fait infrastructure, investir dans l'éducation, investir dans la santé. Mais je dis à mes amis, pas de politique qui sous bagage, pas de monde qui prend conscience. Ça veut dire. C'est dans l'État encore. Moun sa qui des pertes, c'est dans l'État encore. Nous pas qu'à si on société, nous pas qu'à bon l'État fort, le son pas qu'à délai, pas qu'à voler quand même. Chercher remède dans mes malfaits, pas chercher remède dans mes malfaits, parce que soit chercher remède dans mes malfaits, la fin tout honnête, pour pas jamais faire ça encore comme égaré. Je dis, c'est ça qui semble pour rassembler. Nous pas doit chercher faire politique, politique, non, faut nous chercher faire éducation, Simonio. Et ça, c'est mon qui éclaire pour faire. L'État n'est pas capable. Parce que si nous renforçons la famille, l'État renforce automatiquement. L'économie renforce automatiquement. Parce que je dis à la page du président d'un pays, mon président d'élection pour le fièvre en 2023, qui n'est pas le candidat, il va nous faire mieux sortir. Mais je dis à la, problème y aurait pendant, problème y aurait été là. N'est pas le venir, l'abdou n'est pas qu'à faire. Même si on l'a dit, on pas qu'à faire. Définitivement, il faut nous prendre tête au sérieux pour nous dire que nous développons fierté. Fierté, ça, c'est le premier source motivation. Nous pensons que ce n'est pas seulement faire un gros bagaille, mais définir un plan pour gagner, c'est plus important. Je dis à la, nous voulons changement, mais nous pas parler pour nous montrer un plan de changement. Je dis à la, nous plan de changement, dit pas sur l'autre côté, la sortie, nous jamais nous être tête, nous jamais nous comprendre demain, nous, et jamais nous parler pour nous faire sacrifice pour lui. Ce n'est pas que nous avons mis le goût pour aller manifester. Bon maillot, bon, non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Nous à côté de la plaque, je dis à manifestation, pas qu'à changer pays. Hein. C'est une arme destruction massive. Vous nous créez pour monde qui est en train de lire, nous avons force pour montrer plus mon lit. Parce que je dis là, ou bien 3 millions de monde qui va en lire là, et c'est pas le même chiffre. Et secrétaire d'état sur question alphabétisation, c'est UNESCO qui va lire avec nous. Si ce n'est pas même, nous ne savons pas combien nous y sous terre. Quelqu'un qui dit 12 000, même combien nous y nous ne savons pas combien dit. Même ressources humaines, nous ne savons pas faire qui s'agit là comme compétence. Nous ne savons pas qui est haïtien, qui est pas haïtien. Nous avons un problème grave. Qui non? Résoudre le problème manger là, c'est une. Mais résoudre le problème immunité là, c'est plus gros. Et nous pensons que ce problème immunité là, pour nous résoudre, pour nous résoudre le problème manger là. Je dis à la résoudre le problème unité, c'est instruire Haïtien pour les fierté. Pourquoi que 27 700 km2, ça le pas en hasard, c'est le souligne. Et si le souligne, c'est la première richesse, et c'est la première richesse, nous toutes. Seul Jean nous a aidé, hein, c'est prendre conscience que ce n'est pas extraterrestre, ni chinois, ni russe qui va le faire. Non, c'est nous. Et c'est nous, c'est là que nous commençons à comprendre que nous ne pouvons pas les familles mal. De ça, une bonne formule là. C'est trois bagailles. Pas intégrer l'étranger à l'ancien. C'est seule justice sociale qui a fait nous Québec union ça. Et puis nous dirons ça, il faut nous continuer à travailler entre nous pour nous pas nous manger pour nous indépendants. Je dis à la garde à cet haïtien pour comprendre la division là. Regarde cet haïtien, on peut dire étranger, on peut tout bagarre, on peut ça que fait c'est la loi qui bloque nous là. Ça que fait pas gain agriculture, ça que fait c'est importation. Exportation nous moins de 2 milliards, l'année dernière 2 milliards, année moins de 2 milliards. Nous pas exporter du tout. Importation nous était 6 milliards, l'année dernière année monté presque 8 milliards. Pendant ce temps, ou pas qu'à jouer un produit. Est-ce qu'on comprend nos causes? Visiblement la passeus haïtien li étranger dans propre pays, ça nous plaît. Ça m'a expliqué au même, c'est fierté, ça pas gagné pour nous aller chercher, c'est pas le goût mais pour manger, non. Faut nous comme si ça nous faut, pour nous capables de définir qui ça nous voulait. Dans le cas contraire, on a fait jouer tout le monde, jouer tête. On a toujours tant au chef qui prend pour le tour de tête lui, et puis après ça, le bateau de tête livré, nous trouvons nous-mêmes. Nous ensemble, nous trouvons tête, nous pour pays. Faut nous faire sacrifice ensemble pour pays. C'est pour grand monde, c'est nous toutes. Et c'est ça qui message là. Parce que fierté pour gagner pour respecter Haïti, pour prendre Haïti comme gros bagage, pour ne pas courir pour lui là, pour dire moi-même, bon, par contre, ça, vous voulez faire, pas aller. Mais écoute, au final, il faut retourner, il faut retourner. Au final, il commence grand monde. Et bah, on dit, et là, on va venir. Mais qui va venir là? On va venir là, le piment là, on nous suspend de construire piment là chaque jour. On nous cherche des alternatives qui éclairent pour nous instaurer une croissance endogène dans le pays. La jeunesse, la diaspora, même pour nous, on joue. Parce que je dis à là, nous avons un défi historique pour nous lever, qui c'est rendre Haïtien fier et remettre Haïti sous carte économique mondiale là, sous carte touristique mondiale là, et sous carte diplomatie mondiale là. Mais défi. Donc, très bel discours, c'est pas seulement un discours, non? Mais,
à travers tout ça, parce que je dis là, et moi, tellement retrouvé, à un certain moment, et moi, je me souterrain, et déjà, me souterrain, parce que bataille pour Haïti, son bataille qui a fait chaque jour, son bataille, côté que, n'exa yo, qui a planifié, qui a un agenda pour yo, et dit, premier agenda par nous. Exactement, faut nous gagner un agenda par nous. On a plein. Exactement. Haïtien, puis bon, on a plein, oui. Nous bon sociétés là. Mais éduquer au globe à plein, parce que plein pas les ouvriers. Exactement. C'est faire moun, c'est faire nègres à yo ouais. Nous diviser beaucoup plus, c'est faire yo ouais faiblesse nous et d'ailleurs depuis yo ouais faiblesse nous, il y a uni yo même pour yo attaquer nous. Et qui dernier mot passé juste pour me quitter aller dans l'émission aujourd'hui là. Bon, nous pourquoi mourir, nous pas qu'à dire dernier mot, mais quand même pour l'émission, on a quitté une parole forte, une parole vibrante pour Haïtien. Haïtien bonjour. Suspendant comme si c'est le monde qui pourrait le faire pour vous. Non, personne ne peut le faire pour vous. D'ailleurs, même nous prenons une formule là. Si vous faites ça pour vous, c'est félicitations. Lorsque ça crise, malgré que je ne suis pas, vous faites le vrai. Vous faites félicitations et applaudissements. Mais même si vous pas joué support, vous ne pas faire tout. Même si vous plaît pour expliquer ce support, vous ne pouvez tout le monde faire ça pour vous. On nous construit ensemble génération ça. Génération. Qui vivent en Haïti, je veux dire, qui présent en 2022 pour rentrer en 2023. On nous questionne tête, nous pour répondre deux questions. Qui ça nous vaut tout bon, qui ça nous voulait tout bon. Et depuis nous, je une réponse ça sans mentir. Sans mentir pour ne pas dire, depuis nous, Guinée, etc. Et ça, c'est mentir, c'est pas ça nous vaut. Valeur, nous, c'est premier pétrole. Et ça nous voulait, c'est stabilité. Pas de monde qui a besoin de nous-mêmes. On prend tête, nous, au sérieux. Mes derniers mots pour l'émission aujourd'hui, hein, Madame Yannick. Merci. Non. Et merci à tout le monde qui t'étendait et qui comprenait. Nous pouvons finir. Une dernière question à poser. Bam nouvelle café, non, pas sérieux. Comment ça? Aïe. Moi, je me dis, pays, ça fait que des gens qui prêt pour faire 100 dans la tête, pour faire corvée dans la tête. Je dis à la, malgré tes difficultés de gaz pour nous produire, mais café, nous avons toujours été doux bout. Nous avons tout l'élément, dans le carnaval market. Nous continuons à livrer, nous continuons à produire malgré. Production café en Haïti, presque retour bagaille tabou, mais nous-mêmes nous kembe. Parce que tout grand yo passé par là. Première année, jusqu'à cinquième année, Coca-Cola créé comme multinational, yo vend seulement 20 bouteilles. En 5 ans, on vend 20 bouteilles seulement. Et je dis, c'est troisième boisson qui plus boit dans le monde. Le café, comme deuxième boisson qui boit plus après de l'eau, nous pensons qu'en Haïti, il faut nous retourner, jouer la fierté nous, dans la production café et café dans le vent. Et ça fait logique, nous, c'est la fierté haïtienne. Nous continuons à Québec et nous montrons que nous tout, il faut rentrer dans la production nationale parce que nous jouons à venir là. Si nous avons dit, ça va être café. Ce n'est pas optimisme, mais c'est planification qu'on est capable de faire beaucoup de choses de haïtiens. Conséquent pour ça changer. Dans le jour qu'on vient là, nous devons la tête nous manger. Et nous-mêmes, nous commençons à prendre le vent à café. Merci, madame Yannick. Café avec la diaspora. Oui, il y a haïtiens qui rentrent, qui voyagent avec les pouvoirs, mais nous-mêmes, nous pouvons exporter formellement. Eh bien, déjà, là, m'a encouragé, et auditoire, là, fanatique TAC 509, moun qui remet émission, mon éditorial avec Yannick, gros café, là, 100% local, production nationale, faut que nous encourager jeunesse, faut que nous encourager pour café, bah, qui positif. Donc, café, nous recommandez, nous, d'ailleurs, m'disponible, depuis nous besoin d'informations sur café, nous, écrit, m'relé, m'a redirigé, nous, vers passer jusqu'à, bah, nous, tout détail, et puis, pour nous acheter café, et pourquoi pas? Production nationale. Et c'est un plaisir parce que pour me gagner avec mon émission, mais j'espère bien l'autre occasion parce que genre de débat ça faut nous faire pour motiver public là, faut nous faire plus souvent pour nous râler les oreilles haïtiens compatriotes nous parce que jodi là nous besoin des haïtiens conséquents, des monde qui conscient que pays a un problème et problème il faut résoudre. C'est pas autorité de gringo ça qui va le résoudre, mais c'est nous-mêmes qui pour assumer responsabilité nous. Donc c'est un réel plaisir pour me gagner. Et m'espérer non petit temps qui pas trop long encore n'a qu'à faire une autre séance de motivation, une autre séance côté que n'a interpellé conscience chaque haïtien, chaque citoyen. Réaliser définitivement faut nous faire travailler ça et c'est nous pour bailler force parce que on perdu déjà. Et merci Passeus, merci pour disponibilité, n'a croisé encore. Merci à TAC 509, merci à Madame Yannick, merci à mon édito. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois, même si c'est la première fois, c'est une grande aventure qui commence comme ça. Merci en pile. Lumière.
haïtien, ou remet pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique, et les non-dits, mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sorti lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel parle là, pour qu'à bien informer avec.